tarde a todas e todos. Estamos avançando aqui já no quarto dia do oitavo Enadir. Eu sou Ana Lúcia Pastore Schiritzmayer, coordenadora geral do evento e coordenadora do Núcleo de Antropologia do Direito, Enadir, que é o responsável pela organização desses encontros bianuais desde 2009. Hoje nós teremos uma conferencista que, graças ao contato de uma nadirense, Carmen Fulin, no Canadá, vai nos honrar com a sua conferência. É a professora Francine Saillant, que será apresentada pela Carmen Fulin, esta nadirense, que foi uma das fundadoras, inclusive, do Nadir, porque era minha orientanda de doutorado em 2009. Então, Carmen fará a apresentação da conferencista e, após a conferência, eu voltarei aqui para dar alguns avisos sobre a continuidade do evento. Então, uma ótima conferência para todos e até daqui a pouquinho. Obrigada. Da honra e alegria que eu apresento a vocês a conferencista de hoje, a professora Francine Saillant. A professora Francine Saillant, ela é professora emérita do Departamento de Antropologia na Universidade de Laval, no Quebec. Foi diretora do CELAT, Centro de Pesquisa sobre Arte, Cultura e Sociedade, entre 2009 e 2015, um organismo importante no Canadá. Foi diretora, durante 10 anos, de uma revista de publicação da antropologia canadense, sobretudo da antropologia canadense de língua francesa, que é a revista Anthropologie et Société. Publicou, em colaboração com colegas ou individualmente, várias obras ligadas a temas antropológicos, entre elas Identidade e Handicap, Le Mouvement Noir au Brésil, e uma obra que eu considero muito importante para a antropologia do direito, que é a obra Droit et Culture en Mouvement, Direito e Cultura em Movimento. A professora é uma especialista na antropologia dos direitos humanos, onde ela faz pesquisa sobre discriminação racial e outras formas de discriminação, onde ela estabelece uma discussão com o tema da construção social das diferenças. A professora se interessa por diversos usos e interpretações de noções como justiça, direitos, e de algo que ela chama como a vida social dos direitos. Os seus interesses também avançam para a área da interculturalidade, dos usos da arte nas ciências humanas. E ela acaba de publicar uma biografia intelectual que se chama Sob o Signo das Pluralidades, e uma obra em parceria com Martin Hébert, um antropólogo do Quebec bastante importante, e Sarah Bourdage Duclos, uma obra que se chama Saberes, Utopias e Produção do Comum. E importante destacar, por fim, que a professora ela é membro de várias redes de pesquisa nacional e internacional, colabora com diversas organizações da sociedade civil, nas quais ela dialoga sobre questões relacionadas à interculturalidade e ao tema do reconhecimento. Ela é membro de várias organizações científicas importantes, como a Société Royale do Canadá. É membro emérita da Sociedade Canadense de Antropologia e participa de pesquisas também junto à Unesco. Além disso, a professora participa como antropóloga e artista de redes sobre arte e antropologia, trabalhando como documentarista e artista. Diante desse currículo bastante interessante e rico, eu desejo a vocês uma excelente conferência. Agradeço, em meu nome e em nome do Nadir, a participação da professora Francine Saillant nesse Enadir. Boa conferência a todos. Primeira coisa, eu gostaria de dizer um grande obrigada para me convidar a fazer essa conferência, que vai estar em francês, mas espero que tudo vai ser certo para
au public. Ma conférence porte sur la question des droits et sur l'exercice des droits à travers l'art. Pourquoi un thème comme celui-là? D'abord, je suis dans un contexte de discussion sur les droits et l'anthropologie, une question que j'ai beaucoup travaillée au cours des dernières années, mais aussi depuis quelques années et sous l'influence de certaines pratiques brésiliennes, j'ai commencé à investir énormément le champ de l'art en tant que pratique qui permet d'accéder d'abord à des personnes en situation de grande vulnérabilité et aussi comme moyen de travail dans les sciences sociales. Et en plus, j'aime bien discuter sur les relations entre art et anthropologie, comme j'ai eu l'occasion de le faire sur droit et anthropologie. Alors, je veux vous donner quelques repères à propos de cette anthropologie des droits, mais je suis certaine que vous êtes un public très aguerri et que ces dimensions que je vais souligner vous sont familières. Mais quand même, conservons ensemble des repères communs, comme celui finalement d'une approche anthropologique des droits qui s'inspire beaucoup du travail de Goodale, de Mark Goodale, que j'ai personnellement travaillé dans plusieurs publications. Mais au fond, toujours, c'est de considérer comme anthropologue d'aller au-delà des normes juridiques et de considérer les droits dans leur vie sociale, donc de considérer la vie sociale dans le temps et de considérer les normes juridiques passées, existantes et celles qui sont débattues. Le débat sur les droits fait partie du terrain de l'anthropologie. Donc ici, on considère bien sûr les normes qui entourent les droits, que ce soit les pactes, les conventions, tout ce qui est écrit au fond et qui est normé, mais aussi dans leur transformation, leur constitution, la manière dont ils arrivent dans le public et auprès des personnes qui doivent être protégées par les droits. De considérer aussi les droits à travers les dimensions pratiques, philosophiques, phénoménologiques, là où les droits sont énoncés, débattus, pratiqués, violés, imaginés, c'est un mot qu'on va retenir pour ce que je vais vous présenter, et expérimentés également. Alors, ici, on ne parle pas de créer de la juridiction, on parle dans le fond, encore une fois, de cette idée des droits qui ont une vie sociale, comme Apadurail a parlé de la vie sociale des choses. De considérer les droits humains à travers les pratiques et les expériences, à travers lesquelles, ce qui est plus familier aux anthropologues, à travers lesquelles ils prennent différentes significations au niveau légal et instrumental, mais aussi au sein même des mouvements sociaux qui m'ont intéressé énormément ces dernières années. Quelques repères, pardonnez-moi, à propos de l'art. Ici, pour les projets que je vais présenter, en particulier un, au fond, l'équipe que j'ai dirigée, on partait du point de vue que l'art fait du bien. C'est-à-dire que tout ce mouvement mondial qui s'intéresse aux modes d'action dans l'espace public, dans l'espace clinique, dans les espaces artistiques, culturels, sur l'art qui est un moyen excellent pour faire du travail de reconnaissance, notamment auprès des publics marginalisés, et aussi du travail de soutien aux personnes. L'art, finalement, qui a un effet bénéfique sur les individus et les collectivités. Donc, on parle d'effet de mieux-être psychologique, de mieux-être en termes de lien social, manière d'être ensemble, et sur la valeur des personnes, l'auto-attribution et les attributions de valeur aux personnes surtout vulnérabilisées ici, qui est un public qui m'intéresse beaucoup plus particulièrement. Du côté de la santé mentale, puisque c'est dans ce créneau que je vais entrer, c'est encore plus important parce que les activités ludiques, notamment qui passent par l'art ou la création, ils permettent
souvent de sortir du confinement de la relation d'aide et d'accéder à une certaine part de liberté, d'exercer sa liberté. Et dans cet exercice, il y a quelque chose qui a à voir avec l'exercice de la citoyenneté et l'exercice des droits. De rencontrer sa singularité, de ne pas nécessairement être effacé dans un collectif, de se donner une visibilité acceptable, puisqu'on parle de personnes souvent stigmatisées par rapport à leurs conditions et qui ont un malaise d'être vues dans l'espace public. Donc ici, l'art est souvent un moyen d'apparaître dans l'espace public et de devenir visible sans être ostracisé ou encore sans être jugé. De communiquer, un moyen d'entrer en relation, mais aussi pour les personnes vulnérabilisées en lien avec une condition de santé mentale, de communiquer à propos de leur réalité et de leur monde, d'ouvrir des possibilités de vie, d'existence. Ça veut dire exister comme personne et comme sujet. Ça veut dire de s'inclure comme sujet de droit, même si on ne parle pas le langage des droits. C'est une question qui m'a énormément intéressée depuis une vingtaine d'années. Le langage des droits est un langage qui est formel, qui n'est pas facile à approprier. Tout le monde n'est pas militant des droits de la personne, mais en même temps, quand on parle de groupes vulnérabilisés, on parle aussi particulièrement en santé mentale, mais ça peut être dans le champ du handicap, ça peut être dans le champ migratoire, dans d'autres domaines. On parle de personnes qui sont vulnérables par rapport à la manière dont on, par rapport à la place qu'on leur donne dans la société. Et ce à quoi ils pensent ou ne pensent pas avoir droit eux-mêmes. Donc ici, on parle de quelque chose par rapport à l'art, d'une possibilité d'offrir une voie pour transformer des identités assignées et de rejoindre une identité élective, celle que l'on choisit. Et dans tout cela, l'art participatif est extrêmement important. Lorsque je place ici des liens entre la question des droits humains, du témoignage et de l'art, je suggère que les droits humains donc devraient être considérés comme ensemble de pratiques sociales et d'interactions, de représentations et de discours, de rapports de pouvoir et de négociations. Ils ne sont pas que textes légaux. Si on résume les trois principes de tout à l'heure, c'est certainement cette façon de nommer les choses qui serait la plus facilitante pour tous. Le témoignage, donc ici, qui passe par des entretiens et qui passe par des interactions, donc font de l'anthropologue sur des terrains, qui passe par différentes façons de se mettre en scène, de se scénariser. Il est extrêmement important parce que dans toutes différentes formes, incluant le travail artistique, il va être extrêmement important pour accéder au langage implicite des droits. Comment on parle des droits sans nécessairement en parler très directement. Et ici, je considère que l'exercice de la citoyenneté, qui favorise bien sûr l'accès aux droits, peut se faire via des pratiques artistiques. Donc, c'est un peu tout ça, le cadre avec lequel le reste de mon propos va être situé. Je veux ici vous dire que, j'ai travaillé pendant de nombreuses années au Brésil, de la fin des années 90 jusqu'à mon dernier séjour remonte à 2018. Vous reconnaissez les dates de la fin de 2018 et même un peu 2019. Alors, vous reconnaissez les dates, Bolsonaro et la pandémie. Et depuis, je veux quand même vous dire que j'ai eu une relation très, très importante avec le terrain brésilien, où j'ai eu l'occasion de développer ma pensée sur la question des droits dans plusieurs recherches, d'abord dans un contexte humanitaire, France-Brésil, sur le handicap, où j'ai travaillé à Salvador de Bahia, et j'étais à ce moment-là très étroitement liée à une ONG, Vida Brasil, qui est une ONG de défense des droits des personnes handicapées, mais de d'autres catégories minorisées.
Et j'ai été aussi dans la mouvance polémique des réparations liées à l'esclavage, le mouvement noir au Brésil, où j'ai été pendant plusieurs années à travailler à Rio, mais aussi dans d'autres villes du Brésil, mais surtout à Rio, et à essayer de comprendre comment la notion de réparation émerge du mouvement brésilien. Mais là, dans ce projet, comme dans le projet sur le handicap, la question de l'art est intervenue, je vais en dire quelques mots. Et puis, j'ai travaillé sur les mouvements sociaux au Québec dans plusieurs secteurs d'intervention, action, dans les milieux communautaires, community health practices, notamment en santé mentale, sur le handicap, les femmes, LGBT, immigration, art social, un grand projet dont le titre est Inter-reconnaissance, que j'ai conduit et qui a, en 2018, amené à une publication et à d'autres choses. Et il y a aussi tout le travail fait avec des jeunes vivant dans des espaces marginalisés. Je suis revenue à ce moment-là au Brésil pour comparer 4 expériences à Paris, à Montréal, à Port-au-Prince et à Rocinha, à Rio de Janeiro, dans différents espaces où les jeunes étaient amenés à s'exprimer autour de leur milieu, de leur quartier. Et ça a donné lieu à un site et à une publication qui s'appelle « Les villes d'à côté ». Dans chacune de ces recherches, je voulais vous dire quand même que j'ai une certaine connaissance du Brésil et le Brésil m'a énormément influencée dans cette question du rapport de l'art à la citoyenneté, de l'apparition dans l'espace public et de manière créative, bien avant que les livres de méthodologie commencent, en sciences sociales, commencent à s'amener beaucoup sur les manières d'utiliser l'art dans les sciences sociales. Je pense que le Brésil avait compris ça bien longtemps, les académiques comme les gens des ONG et les activistes. Donc, dans chacune de ces recherches, la vie sociale des droits a été abordée et traitée de manière spécifique, bien sûr, selon les publics, et en faisant appel à l'art, soit à la vidéo, c'était le cas dans le livre sur le handicap, dans le mouvement noir aussi, j'ai produit plusieurs vidéos, et aussi ensuite, dans les autres projets, j'ai utilisé la co-création en art visuel dans Inter-reconnaissance et dans les villes d'à côté, notamment des expositions qui ont conduit dans les deux cas à des expositions dans des espaces culturels et dans des musées. Quelques idées de ces ouvrages sur Internet, on trouve certaines choses, notamment Inter-reconnaissance est disponible gratuitement. Soyez à l'aise. Les villes d'à côté, c'est un site Internet que vous pouvez consulter et vous voyez une part de l'expérience brésilienne dans cela. Donc, dans ces recherches, la vidéo collaborative dans Identité et handicap a été importante puisque dans cette ONG, on passait par l'art pour permettre à des gens d'exercer leur citoyenneté avant de lire Marc Goodell et de commencer à formaliser ma pensée sur la question des droits. C'est d'abord ces pratiques-là observées au Brésil, donc un carnaval parallèle, des activités artistiques au sein de l'organisme, mais aussi en même temps le travail qu'ils faisaient de lier les droits à l'exercice de la citoyenneté par l'art. J'ai fait aussi 4 vidéos participatives dans différentes instances du mouvement noir au Brésil, surtout à Rio, et sur les manifestations culturelles, cultuelles et artistiques au sein du mouvement. Ce travail a été fait de manière presque entièrement participative. J'ai même co-signé avec les vidéos avec des participants dans ce cas. Dans l'étude des mouvements sociaux au Québec, là aussi, ça a été très important puisqu'on regardait la transformation du rapport au droit dans l'ensemble du mouvement, des mouvements sociaux identifiés à l'intérieur du mouvement des femmes, du mouvement sur le handicap, les questions migratoires, LGBT et santé mentale. Et en plus, les actions artistiques transversales à ces mouvements, cela sur 50 ans. Donc, on a fait 230 entretiens, on a préparé tout le matériel pour faire une exposition, ça a donné lieu au livre Inter-reconnaissance, dont vous avez vu l'image tout à l'heure, mais on a donné beaucoup la voix aux artistes et aux moyens artistiques comme partie du répertoire d'action, finalement, pour
revendiquer des droits ou en fait, ou aussi refuser des conditions juridiques. Alors, ce travail, je ne l'ai pas fait toute seule, bien entendu. C'était toute une équipe de recherche très aguerrie et spécialisée dans chacun des secteurs. Donc, je reviens ici. Alors, dans ce cas, oui, j'ai dit 250, c'est 250 entretiens et non pas 230. Ici, dans les villes d'à côté, on a amené les jeunes à photographier leur milieu. On a marché, donc on a fait des entrevues marchées avec les jeunes dans les différents espaces. On a écouté les jeunes, on ne leur a pas parlé de droit, ils nous en ont parlé spontanément. Mais ils ne nous ont pas parlé que de ça. Ils nous ont parlé de la beauté. Ils nous ont constamment dit nous sommes ici, on est stigmatisés, on est ostracisés parce qu'on vit à Rossignol ou quelque part dans Port-au-Prince. Mais on ne nous connaît pas. On ne connaît pas qui nous sommes et on ne connaît pas la beauté qui est chez nous. On ne connaît pas notre beauté. Et ce dialogue incroyable que nous avons trouvé dans les quatre milieux, qu'on soit dans une banlieue française, et Dieu sait s'ils ont des choses à dire, comme vous le savez, dans une banlieue montréalaise du même genre, qu'on soit à Rio, à la favela, ou dans un quartier populaire de Port-au-Prince, les jeunes ont tous relié la question de la condition esthétique, je dirais ça, de leur environnement. Ils ont voulu qualifier eux-mêmes dans leur environnement et dire, voici, nous ne sommes pas qui vous pensez. Et ce, le milieu dans lequel on vit n'est pas celui que vous pensez. Donc, sur le site Internet, qui a donné lieu à une publication qui a beaucoup évolué depuis le site Internet, nous avons essayé de montrer cette dualité, mais cette articulation aussi faite par les jeunes eux-mêmes. Donc, dans tout ça, je viens de le dire, on a eu des vidéos, on a eu aussi des expositions, catalogues, etc. Donc, ça a donné lieu à des publications et à de la diffusion qui aussi est passée par l'art dans le but de rejoindre les publics concernés, de ne pas faire une recherche et ensuite c'est terminé, personne ou peu de gens vont lire les articles, sauf les militants. Alors, si on veut aller plus loin et rejoindre les publics vulnérabilisés très directement, les moyens artistiques et les expositions sont vraiment intéressants. Donc, excusez, je m'en vais ici. Ça, je vous en ai parlé. Pardonnez l'aller-retour. Ah, donc là, maintenant, je vais vous parler de la question de la santé mentale au Québec et vous donner quelques repères parce que tout le reste de ma présentation, au fond, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière recherche, les villes d'à côté, c'est d'entrer dans une problématique qui permettait de faire rejoindre l'art, la question de la citoyenneté et la santé mentale. Donc, j'ai eu une invitation pour faire un travail avec un centre de neurosciences. C'est très curieux, là, je suis sûre que vous êtes un peu étonnés de ça. Et on m'a demandé de les accompagner pour faire une action d'envergure favorable à la déstigmatisation des lieux d'enfermement, des lieux, mais aussi des lieux cliniques liés à la santé mentale et des personnes et même des intervenants. Je vous dis, et là-dessus, l'histoire, je pense, au Brésil n'est pas très différente. Peut-être que les séquences vont être un peu différentes, mais la progression de la question des droits peut être assez similaire. Donc, pour le Québec, on parle au fond que du début de la colonie, on parle d'une ville ici qui est à Québec, la première qui est avant, évidemment, après les Autochtones. Du début de la colonie, donc de 1608, jusqu'à 1845, les personnes qui ont des problèmes de santé mentale sont enfermées soit en prison ou dans des loges. On les appelle les esprits dérangés ou encore les fous furieux. À partir de 1845, on commence des hospitalisations dans des asiles, d'abord extrêmement sommaires, des lieux hospitaliers mais inhospitaliers, puis dans des grands asiles,
comme ce qu'a bien décrit Michel Foucault dans son livre sur l'histoire de la folie. Et l'apogée de tout ça se trouve dans les années 40, un peu avant l'avènement des médicaments qui vont permettre la transformation finalement importante des espaces et des pratiques liées à la santé mentale. Le mouvement des personnes avec une problématique de santé mentale va s'amorcer au Québec dans les années 70. Je pense que c'est un peu plus tard au Brésil, avec l'arrivée de l'antipsychiatrie et la naissance des alternatives de traitement, c'est-à-dire pas seulement les médicaments, mais aussi des formes de soins et d'accompagnement dans la communauté et aussi la multiplication d'organismes de soutien, d'entraide, l'arrivée des pères aidants, et aussi la multiplication des lieux artistiques qui vont, au sein des organismes, être des espaces d'existence, de droit à l'existence, de droit à la différence et d'expression et d'agir citoyen. L'art va devenir de plus en plus une forme d'exercice de la citoyenneté et, je dirais, une manière de resubjectivation socio-politique. La resubjectivation ici au sens de Rancière. Ce n'est qu'en 72 que va être mise sur pied une loi favorable à l'exercice des droits. Une personne ne peut plus être hospitalisée contre son gré. Ça va être la loi de la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui. La désinstitutionnalisation va être extrêmement, à ce moment-là, va jouer en faveur finalement des personnes. L'accès aux soins dans la communauté, qu'on va nommer communautarisation. Et en 2023, au moment où on se parle, cette loi va devenir presque un problème parce qu'on a une crise, je pense, qui se passe un peu à travers le monde et certainement qu'au Brésil, c'est aussi une réalité. Donc, la crise des opioïdes et des drogues de synthèse qui va être tellement forte qu'on a des poussées, par exemple, dans toutes les villes canadiennes de l'itinérance. Et on a tous ces problèmes depuis la COVID, du manque de logement social, un appauvrissement important, surtout parmi les groupes les plus vulnérables, et le débordement des ressources communautaires. Donc, quand on a fait le projet dont je vais vous parler, c'était sur le fond de cette crise extrêmement importante qui touche aussi la ville dans laquelle je vis et dans laquelle ici j'ai agi. Donc, lorsque j'ai été invitée par le Centre Cerveau en collaboration avec l'autre centre de recherche auquel j'appartiens, Culture, Art, Société, c'était, je l'ai un peu dit tout à l'heure, dans une perspective de déstigmatisation et de reconnaissance des droits des personnes vivant avec une problématique de santé mentale. J'ai proposé deux actions. Et ceci a été fait aussi en collaboration. Je ne peux pas, dans le contexte de cette conférence, nommer tout, mais sachez que je ne fais pas les choses toute seule. Donc, le premier, c'est une action qui s'appelle « À visage humain », donc un parcours socio-artistique à l'intérieur de l'institution et même du centre de recherche. Et l'autre, Illumina, dont je vais davantage parler, un parcours extra-institutionnel qui se situe dans la communauté. Donc, à visage humain, je commence par celle-là et je vais en parler plus rapidement que la deuxième. Donc, c'est un parcours qui comprend un volet muséal, un volet d'art participatif, où là, cette question de l'exercice de la citoyenneté par l'art est importante, et un volet de création numérique. On se situe dans un hôpital psychiatrique et un centre de recherche. Le parcours crée des liens entre les deux espaces. On parle du plus vieil hôpital psychiatrique de cette envergure dans la ville et on parle du centre de recherche le plus novateur en neurosciences et qui s'intéresse aux relations entre art et neurosciences. Si je vous mets ici cette image, vous voyez par exemple des images de l'ancienne prison où les gens se retrouvaient avant 1845. Vous avez une image des loges. Ici, ma flèche le montre, de l'hôpital général avant 1845. C'était tout petit espace, très confiné. On a ici
les grands asiles qui sont arrivés, et voyez l'image la plus ça, là, il y avait 5 6000 personnes dans cet hôpital jusqu'en 1980. Et ça, c'est l'allure d'aujourd'hui. Et là, c'est le genre de milieu communautaire avec lequel on a travaillé très fortement, fait chez Sherpa, dans la deuxième action. Je vais y revenir. Alors, nous disposions de réserves muséales à l'intérieur du centre de l'hôpital psychiatrique qui est devenu Institut universitaire de santé mentale. Donc, ici, une sorte de... Ça, c'était ce qui restait du musée qui a été préservé par un chercheur qui a dit « c'est pas vrai, on va pas tout jeter, ce musée de la santé mentale » et une collection d'art créée par des participants à un programme, des participants aux prises avec des problématiques de santé mentale et qui crée à l'intérieur de l'Institut. Donc, dans tout ce mouvement d'intérêt pour l'art, il y a l'idée de passer de quelque chose qui nous amène à l'occupation hein, au sein d'un hôpital psychiatrique. Vous avez une image réelle, une photographie qui date des années 1940, où on voit des religieuses qui s'occupaient à l'époque des personnes dans l'hôpital. Et vous avez, dans l'autre cas, ce qui se passe maintenant avec la notion de rétablissement, comment finalement, dans des espaces tout à fait libres, où on entre et on sort comme on veut, la création est rendue possible. Et dans le mandat qui était le mien, c'était aussi de trouver des passages pour relier cette question des neurosciences, la recherche sociale, incluant celle qui a trait au droit, et la recherche création. Je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est une conférence en soi. Alors, ici, vous avez une idée, une petite idée du genre de travail qu'on a pu faire dans les espaces hein, hospitaliers et de recherche. Donc, on a fait tout un travail de reconstitution de l'histoire de la santé mentale et de l'évolution des droits en relation avec les contextes thérapeutiques, les contextes de recherche, les connaissances dont on disposait et, dans le fond, rendre accessible cette histoire par l'image, par le texte donc, une autre image qui nous amène sur les liens. Donc, on a comme ça, dans un corridor de ce type, qui était les corridors de l'ancien hôpital. Vous imaginez que c'était des corridors, vous avez vu la bâtisse, c'est énorme. Donc, nous, il fallait habiller, je dirais, de manière muséologique, de là, les objets qui venaient du musée, mais qui donnent une place à l'histoire des personnels soignants, à l'histoire des connaissances, à l'histoire des modes de vie à l'intérieur de l'institution, mais aussi à des créations poétiques, comme vous le voyez là, qui est un ancien appareil de projection pour les radiographies et qui maintenant est une représentation poétique du cerveau. Mais dans notre présentation muséologique, qui est beaucoup plus large que ça, c'est juste un petit morceau que je vous montre, on a fait attention, on mélange des éléments activistes avec des éléments scientifiques, en ne disant pas, même si on est dans un centre de neurosciences aussi, voici la science à tout régler, pas du tout. Voici les mouvements sociaux et le mouvement social des personnes en situation qui ont des difficultés en lien avec leur santé mentale, ont joué un rôle majeur sur l'accès aux droits. Ici, c'est un exemple parce qu'on a occupé le deuxième corridor par finalement tout un travail collectif de création qui a permis l'exposition des corps des personnes liées à un programme art et santé mentale à l'intérieur de l'institution. Et plutôt que de voir des graffitis où les gens à l'époque grattaient hein, leur identité sur les murs, là, c'est vraiment une création collective libre, un petit peu guidée, mais où vraiment les corps des personnes à la grandeur, hein, ce que vous voyez là, là, c'est ça occupe, il y a une quinzaine de corps qui sont comme ça flottants et qui occupent l'institution, et c'est une manière de dire ben, nous sommes là, hein, nous sommes là. Alors, donc, ici, vous avez une petite image, mais malheureusement, je n'avais pas de très, très bonnes images à vous présenter, où est-ce que la projection numérique permet de voir dans une autre salle de l'exposition des modes de représentation
qui renvoie aux neurones, bien sûr, qui renvoie au cerveau, mais qui poétise en quelque sorte ces représentations. Alors, le deuxième projet, je vous ai dit qu'on avait Illumina et qu'on avait À visage humain. Dans À visage humain, au fond, on est à l'intérieur de l'institution et on crée tranquillement tout le terrain pour arriver à Illumina, qui m'a occupée de 2022 à maintenant, alors que dans l'autre cas, c'était 2020-2022. Hein. C'est une exposition permanente. À visage humain est une exposition permanente. Alors que Illumina, on est dans un parcours d'art public au sein duquel nous avons fait une consultation auprès de différents groupes. Et on a favorisé la prise de parole sur l'histoire d'un quartier. Un quartier sensible, un quartier difficile, où actuellement on est en crise par rapport à l'importance que prennent dans l'espace public les personnes itinérantes et surtout toxicomanes. On a introduit un volet de création participative, je vais en parler, et donc on a travaillé avec ce forum citoyen. Dans un quartier stigmatisé, en raison du grand nombre de personnes désaffiliées et des usagers de drogue, donc le quartier dit Saint-Roch. On a fait 50 ateliers de création, mais aussi de rappel de la mémoire, de collectivisation finalement, des expériences de cohabitation à l'intérieur du quartier. Et les personnes qui participaient à ça pouvaient continuer avec nous dans les ateliers de création participative. Personne n'était lié à chacun des ateliers, les publics bougeaient un petit peu, mais on a réussi à faire tout ça pendant l'hiver. Pour créer 7 stations donc d'art public faisant suite à ce travail-là. En amont, était préparé le film Apparaître, qui est un film qui porte vraiment sur les problématiques de santé mentale et d'art dans le milieu communautaire. Donc, on avait aussi en même temps comme une sorte de terrain qui a ouvert pour nous des portes à la compréhension de ce qui se fait à l'intérieur des milieux communautaires en lien avec l'art. Donc, une compréhension élargie qui dépassait le quartier qui est le nôtre. Ce film est disponible en anglais. Alors, Illumina et en français. Illumina, donc, je l'ai dit, un parcours, 50 ateliers, 7 stations, un forum et de la recherche-action. Parce que au fur et à mesure de cela, ce qu'on a fait, c'est de faire des entretiens en cours de route, des observations. On a travaillé vraiment en anthropologue. L'équipe aussi actuellement fait des entretiens post-expérience de manière à comprendre comment ça a été vécu de l'intérieur et comment les participants ont aussi, qu'est-ce qu'ils ont à dire sur cette expérience et sur le parcours. Donc, je poursuis. Oups, je vais un petit peu trop vite. Donc, ici, quelques images hein, de nos réunions qui se tenaient toujours dans des espaces communautaires, des espaces associatifs. Donc, montrer qu'on était toujours avec des intervenants, avec des artistes et avec des anthropologues. Le parcours Illumina, donc vous voyez ici une image du quartier et vous voyez, c'est tout le quartier, ça qui est un petit quartier, et vous voyez que sur les petites bulles vertes, donc à chaque fois, c'est une station. Donc, on occupe le quartier par des œuvres créatives. Je dis souvent, chaque œuvre est une cathédrale, au sens où elle a exigé tellement de la part de l'équipe parce que nous avons travaillé de manière participative et avec des publics qui ont de sérieuses difficultés d'insertion, de reconnaissance. Voilà. Alors, j'entre ici dans le parcours pour vous dire à quoi ça ressemble le travail artistique et sur quoi finalement on travaillait à chaque fois. Donc, dans un premier cas, la première station, c'est exister par l'image, en quelque sorte, en format portrait collaboratif. On voulait finalement, d'abord, rendre hommage aux personnes du quartier par un atelier qui a permis de
aux gens de venir se faire photographier s'ils le voulaient. Donc, tous ceux qui participaient au projet avec des relais Facebook et tous les relais où on amenait les gens à venir. Donc, on choisit de venir se faire photographier sur un format colloïde qui rappelle, comme on avait fait des ateliers de mémoire, on a dit que ce serait intéressant d'avoir un photographe qui travaille avec, il fait renaître les photographies du 19e siècle, vous savez, ces plaques de métal. Donc, on a proposé ça, il a fait ses magnifiques portraits, il y a bien plus que ça, là, mais ça, vous en avez un petit morceau. Et toute la station, c'est fait 24 portraits, plus ces portraits qu'on voit là au centre à gauche, qui sont rétro-éclairés et qui permettent vraiment aux personnes, avec des citations extraits des rencontres qu'on a fait avec eux. Une deuxième station, c'est la station dite Sherpa. Donc, lorsqu'on a fait nos séances de consultation, hein, Memoria Mix, que ça s'appelait, donc ramener la mémoire du quartier autour de la cohabitation. On a demandé aux gens à chaque fois, est-ce que vous pourriez apporter un objet qui représente pour vous la cohabitation? Bon, parfois, ça a été un peu curieux, je dois vous dire, mais ça a été amusant et au fond, les gens y allaient tout azimut, il n'y avait aucun contrôle. Amener l'objet ou parler de l'objet, on note tout ça, puis on va voir comment on va pouvoir exprimer cela. Ici, ça voulait dire exprimer sa relation au monde par un objet et le droit à l'expression de son opinion sur la cohabitation. La cohabitation, il y a quelque chose, il y a une bien-pensance sur cela. Il y a du civisme autour de cela. Mais peut-être qu'il y a autre chose à dire. Alors, voici une portion de ce qui s'est passé dans l'organisme PET Sherpa, où les objets, finalement, et l'évocation des objets a été ramenée dans cette œuvre créative qui occupe une grande partie d'un espace communautaire qui s'appelle le Sherpa et qui permettait de lier l'expérience du quartier à des objets et finalement à amener de la reconnaissance. Ça, c'est moi. Dans cet objet-là. C'est moi qui l'ai amené ou c'est moi qui en ai parlé. Une troisième station, c'est de voir un objet collectif du quotidien lié à la survie, soit le frigo, transformé en œuvre d'art, le droit à la nourriture. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est qu'au fond, dans ce frigo-là, vous ne voyez pas qu'il y a une poignée, là, mais cette chose, c'est le derrière, en fait, du boîtier. Je ne sais pas si c'est ma première. Non. Alors, vous ne voyez pas, mais de l'autre côté, c'est vraiment le frigo qui est habillé de la même façon. Et là, ici, ce sont des photographies de tout un travail qui a été fait sous une autoroute avec la même communauté et un travail où les artistes faisait des repas collectifs avec une multitude de gens, incluant les personnes itinérantes. Et ce frigo, il permet aux gens du quartier d'aller porter de la nourriture, mais les artistes, tout au long du parcours, durant du 8 juin qui vient de passer jusqu'en septembre, alimentent le frigo grâce à des dons qui sont faits par différents commerçants et aussi par des personnes. Donc ici, le frigo est un objet familier, qui est devant une église importante du quartier, où les gens vont tous les jours, où des gens, pas tous, bien sûr, vont tous les jours, mais le frigo devient aussi, hein, il y a un dialogue entre l'art ici et le droit à la nourriture. Dessiner son présent et son défi, et ses défis, donc le droit à l'expression de son opinion de nouveau. Donc ici, vous avez une station qui, malheureusement, je ne peux pas vous donner d'autres images parce qu'elle va se poursuivre au mois d'août, de dessins collaboratifs. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'avec du blanc d'Espagne, vous savez, ce matériau qu'on utilise pour obstruer les fenêtres lorsqu'un commerce est fermé. Donc, les artistes ont travaillé avec l'esthétique du délabrement, puisqu'il y a beaucoup de délabrement dans le quartier, en se disant, on va faire une station qui ne va pas être terminée. Elle va être comme souvent, on laisse les vitrines dans un état n'importe quoi. Alors là, on va faire ça, faire face à quoi? Alors, au mois d'août, tout à l'heure, hein, le 10 et le 12 août, des participants, de nos participants, mais d'autres du public, parce que c'est une vitrine qui donne sur la rue, vont être amenés à créer aussi, en dessin collectif et en écriture, on fait face à quoi? Et c'est une manière aussi de s'exprimer, mais c'est une manière d'entrer en dialogue par ce moyen-là avec le public qui passe, parce que c'est un quartier qui à la fois est très délabré et à la fois sans bourgeoise de façon importante.
Une autre station, c'est une œuvre collective qui passe par des vitraux ludiques et qui, au fond, d'une certaine façon, on se rit de la vie, qui est un chemin de croix. Expliquer cela, là, ici, on est dans un centre communautaire très important qui fait face au plus gros centre qui accueille les personnes en situation d'itinérance. En situation de crise, là, on n'a pas fait des photos comme ça, mais devant l'œuvre qui comprend, elle est très difficile à photographier parce qu'on est dans une vitrine, les œuvres sont transparentes, comme vous voyez, les gens étaient amenés dans les ateliers à apporter des objets ou à rassembler des objets. Tout ça créait un tableau et les tableaux ont été coulés dans une résine qui donne ces espèces de créations un peu folles. Il y en a une trentaine qui sont suspendues dans le centre et ça permet aux personnes en situation d'itinérance qui sont juste devant, d'abord de voir ça, d'avoir de la beauté pour eux parce que c'est très difficile de travailler directement dans ce centre-là maintenant, celui en situation d'itinérance. Mais les gens, ils viennent s'asseoir devant et souvent ils disent « nous, on baigne dans la beauté ». Je vous laisse réfléchir. Alors, ces vitraux collectifs devaient parler de la vie comme un chemin de croix, puisqu'on est avec les vitraux, mais en fait, c'était la vie de manière ludique. Comment on recrée, en quelque sorte, une autre vie qui n'est sans doute pas très, très accessible pour la plupart de nos participants. Une autre station, c'est la station Méduse. Alors là, dans ce cas-là, c'est trois milieux communautaires qui offrent traditionnellement l'art comme moyen d'accompagnement et comme exercice de la citoyenneté et de ses droits. Et ils ont été amenés à auto-créer leur portrait à partir de leur photographie. Je vous passe les détails techniques. Ce qui est important ici, c'est le geste fort de rassembler plusieurs organismes, d'amener les gens à s'auto-créer, contrairement à la première station où on a des portraits plus classiques, disons. Et ceci a été présenté carrément, et ça fait partie du quartier, c'est une bâtisse là, qui fait partie du quartier. Le soir, c'est rétro-éclairé, donc c'est un petit peu l'image que vous avez à gauche de l'écran, alors que le jour, journée de pluie cette fois-là, et là, Illumina est vraiment mis en valeur aussi, donc on était très contents de cela. Mais c'est surtout la collaboration avec les milieux artistiques, dans ce cas, qui est aussi célébrée. La septième œuvre, elle est délicate, elle est très délicate. On crée des nids en imaginant être un oiseau. On crée des nids en exprimant sa fragilité, sa liberté de mouvement et d'avoir une maison sans toit. On parle bien sûr du droit au logement. Donc ici, vous avez des exemples de ces nids qui sont placés dans un jardin public, donc un des très rares endroits où il y a des arbres dans le quartier, et ils sont placés directement dans les arbres, et au sol, on a des poésies qui sont écrites. Donc, c'est une soixantaine de nids pour soi qui viennent exprimer l'idée du droit au logement. Et ne pas oublier que parmi nos participants, on avait des personnes qui étaient en situation d'itinérance, on avait des personnes avec des problèmes de santé mentale qui ne sont pas nécessairement itinérants, mais on avait aussi des personnes réfugiées, parce que le quartier où se retrouvent dans première génération des personnes réfugiées, c'est le même. De là aussi que vous avez dans les portraits au début des personnes noires qui sont souvent des premiers arrivants. Est-ce que quelque chose, on peut dire de tout cela, quelque chose sur l'art à propos des droits en santé mentale et est-ce qu'on pourrait réfléchir par la suite, j'invite le public à le faire, sur l'art à propos des droits dans différents secteurs d'action collective et de militance par rapport aux droits. Alors, moi, je crois que l'art, au point de départ, doit favoriser l'inclusion des participants. On ne peut pas faire ce genre d'action sans qu'on parle de travail participatif, de travail par et pour, et avec une formule souple qui ne se confond pas avec l'art-thérapie. Une formule qui permet de sortir des carcans institutionnels, ceux de l'intervention, de la relation d'aide,
même si elle n'est jamais très loin, puisque les intervenants dans les milieux associatifs ou communautaires sont aussi souvent des gens en travail social, en psychologie et autres métiers du soin. Formule qui permet de sortir des étiquettes, voire de s'en donner d'autres. Donc, on parle, comme je le disais au point de départ, des identités électives. Une formule qui a l'avantage de ne pas plaquer le langage militant. Par rapport au droit ici, c'est extrêmement important parce que vraiment, vraiment, les gens ordinaires qui viennent dans les organismes, qui reçoivent des services, le langage militant est généralement assez loin pour eux. Donc, l'accès à cette représentation de ces droits a besoin de médiation. Un langage trop abstrait est peu accessible. Un langage qui permet une médiation et l'expression, parce que quand on crée, il y a d'autres choses qui se passent, il y a de la relation, on discute. Alors ça, c'est vraiment intéressant pour aussi imaginer un travail activiste. Les conditions matérielles et les ressources, il faut les avoir parce que c'est quand même, en tout cas, si on veut faire un parcours, là, c'est un petit peu compliqué. Et surtout, ça demande énormément de souplesse de la part des organismes, énormément de coordination. Donc, il faut croire qu'on peut exercer sa liberté, sa citoyenneté et les idées d'être ensemble, de part et pour, par ces moyens-là. Donc, ici, les droits humains en santé mentale sont une réalité relativement nouvelle. Hein, on parle des années 2000 où on a commencé à parler en termes vraiment de droits humains à l'échelle internationale pour la santé mentale. Et l'expression de ces droits va passer de plus en plus dans les milieux de santé mentale par des langages qui peuvent en permettre le renouvellement au niveau des militants. Quel langage? Pour quel droit? Pour quelle personne? Une formule qui permet de mettre en lien avec les autres groupes de citoyens. Donc, créer du lien, créer de l'identité, d'identification, et qui va favoriser la déstigmatisation. Un langage qui va traduire un imaginaire des droits qui offre des perspectives différentes quant à leur portée universelle. Je crois que ça, c'est extrêmement important pour nous, du côté de l'anthropologie des droits, cette recherche sur les langages d'accessibilité et d'expression. L'art public va agir, dans notre cas, sur le quartier, sur la cohabitation, sur les personnes, sur les organisations. C'est un facteur que j'appellerais d'amplification, une sorte de caisse de résonance. La désubjectivation et la resubjectivation sont extrêmement importantes dans cette ligne de travail. Donc, on ouvre le terrain politique qui va dépasser les débats cliniques autour de la santé mentale, qui va aider au travail des personnes dans la convivence, dans le vivre avec les autres et dans se considérer comme une personne qui compte dans la communauté. Un des résultats importants du parcours, c'est d'avoir entendu et de continuer à entendre, puisque je suis tous les jours dans le quartier, j'y vais tout à l'heure, que c'est bien de faire quelque chose où on nous voit. C'est bien de faire quelque chose qui est visible, qui compte aux yeux des autres personnes que nous dans les organismes spécialisés. C'est très important. Quelqu'un qui s'assoit, une personne de petite taille, qui s'assoit devant la station vitrine délabrée là, que je vous ai montrée, qui va se poursuivre dans quelques jours, est assise régulièrement entre les deux morceaux de la vitrine et il dit « je baigne dans l'art, je baigne dans la beauté ». C'est extraordinaire parce que ça dit, et nous quand on y va dans ce local, il est là, « excusez-nous, on est dans votre maison ». Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Cependant, il y a des écueils. Les personnes les plus désaffiliées ne sont pas atteintes facilement par l'art. Ils ont d'autres préoccupations. Et je pense qu'au Brésil, avec l'expérience de la violence qui se passe en lien avec la grande problématique des toxicomanies, vous en savez bien plus que moi sur le sujet. Le problème du retrait de ces personnes du monde, le problème du vandalisme. Notre frigo a été vandalisé la semaine dernière. Les artistes avec
considéré que ça allait se passer, puisqu'en cet endroit, c'est constamment vandalisé. Un piano de 1000 livres a été tiré l'an dernier, cassé. Alors, on savait que même si c'est le frigo, un peu intouchable parce que les gens en ont besoin, ça allait se faire. Donc, on vit aussi avec cette réalité que ce n'est pas évident. C'est que l'art n'est, oui, c'est un moyen, mais ce n'est pas une fin en soi. Le milieu clinique manque parfois d'ouverture et ne développe pas obligatoirement des pratiques faisant appel à l'art avec le par et pour. C'est encore difficile. Dans le milieu communautaire, ça se fait, pas partout. Dans le milieu clinique, pour eux, les priorités ne sont pas là. Mais les priorités ne sont pas sur les droits non plus. Ça exige de travailler comme ça un suivi important avant et après les actions artistiques, pas toujours accessible pour tous les milieux. Donc, ça veut dire énormément d'interactions avec chaque acteur. L'action Illumina, ça voulait dire de relier 30 organismes les uns avec les autres d'art et d'action directe avec les populations qui vivent des problématiques de santé mentale. C'était très exigeant. Les droits sont sous-jacents dans les actions artistiques. Ils pourraient, si dans un avenir prochain, être mobilisés de manière plus frontale, en imaginant des formats qui aillent en ce sens. Ce qui veut dire créer des œuvres liées aux droits et en interpellant directement, ce que nous n'avons pas fait, les participants à propos des droits ou de leurs droits. Ça, c'est un travail qu'on pourrait poursuivre. Et je dirais, pour une vie sociale des droits par l'intermédiaire de l'art. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette présentation et je termine en disant, voici une présentation qui parle de l'importance de l'imaginaire dans les droits, ce qui veut dire pouvoir s'imaginer en tant que personne et en tant que sujet. C'est en ce sens que l'art est potentiellement vecteur de la resubjectivation politique. Olá novamente. Depois dessa belíssima e potente conferência da professora Francine Sayan, eu só deixo novamente o recado do quanto pensar, imaginar direitos pode nos lançar para dimensões muito além daquelas adstritas ao espaço acadêmico, propriamente dito. Né? Ela nos traz exemplos ricos e fortes de pesquisas, de intervenção, ação, que permitem justamente a grupos vulnerabilizados, fazer da arte pública um canal de imaginação de direitos, de ressignificação de identidades. Essa conferência merece ser vista, revista, e quem sabe, a partir dela, projetos de extensão, projetos de iniciação, mestrado, doutorado possam surgir, afinal, para isso servem também as conferências, para nos inspirar. Eu gostaria de lembrar que a tradução e a legendagem, tanto da conferência de hoje quanto da de ontem, que foi em inglês, só se tornaram possíveis graças ao apoio do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da USP, no qual eu trabalho, porque, por ser um programa PROEX, nota 6 na CAPES, existe uma verba que pode ser destinada a apoio a eventos. E nós conseguimos que o programa apoiasse essa iniciativa para tornar acessíveis essas duas conferências em língua estrangeira. Então, muito obrigada de novo ao Programa de Pós em Antropologia Social da USP. E fica aqui, então, o convite para vocês prosseguirem conosco na tarde de hoje. Teremos duas mesas, as duas últimas do oitavo Enadir. A primeira, a partir das 3 da tarde, é a mesa 8, intitulada
modulações e transformações do direito e das práticas de justiça. E às 17 horas teremos a última mesa do oitavo Enadir, intitulada Por uma Antropologia das Práticas, dos Saberes e das Sensibilidades no Campo da Segurança Pública. Estas serão as últimas mesas, porque amanhã ainda teremos pela manhã as últimas sessões dos grupos de trabalho e a última conferência, que será proferida em português, embora em português de Portugal, pela professora Manuela Ivone Cunha, da Universidade do Minho. Mas à tarde não teremos mais mesas redondas, justamente teremos o fórum de encerramento, que é a única atividade híbrida deste oitavo encontro nacional de antropologia do direito. A atividade se dará presencialmente na sala 14, que fica no térreo do conjunto didático de filosofia e ciências sociais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, no campus da cidade universitária, no Butantã. Estão todas e todos convidados a participar presencialmente, será um prazer poder abraçar várias pessoas. E os convidados para esse fórum estarão conosco presencialmente, mas também o fórum será transmitido por este canal do Nadir no YouTube para todas e todos que estão distantes ou que não poderão estar presentes lá no, na cidade universitária. Então, fica o convite para continuarmos juntas e juntos até o final da tarde, início da noite de amanhã, às 19h30, teremos o encerramento mesmo do oitavo Enadir. Muito obrigada e uma excelente tarde para todo mundo. Até mais. Tchau.